La République a besoin des jeunes, la République a besoin de gens déterminés pour faire changer les choses. Madame, messieurs, bienvenue à votre émission Congo Live Haute Arène. C'est mon ming représenté et puis nous Jonathan Safou. À la présentation de cette émission, le lait aux opportunités, bien grâce à Roland Kassou, notamment le répondre au bête à ma concerné la République démocratique du Congo. L'actualité politique, les aides belles au bête, notamment sur les belles au bête concernant la politique de la République démocratique du Congo. Nous allons parler de la situation sécuritaire de l'Ouest de la République Oyo. Donc, le balai de Bounagan est toujours sous contrôle à la M23, mais malheureusement, le président de la République vient de nommer un nouveau chef d'état-major au sein de l'armée congolaise, le général-major Christian. La tête armée congolaise a commis la situation sécuritaire est échangée ou bien est toujours dans Makamunango. Mais aussi, nous allons parler au sein de l'Union sacrée, des guerres entre l'IDPS et l'ensemble pour le changement. Est-ce qu'ils ont une manière de fragiliser ou bien de affaiblir vision du chef de l'État, tandis que Bamba est censé soutenir Mokonza Mboka. Tout le monde est concerné, plein de dialogues au Ndeko. Le président national et l'INT, peut-être que Mera Singa qui. Nous sommes censés dialoguer entre le Rwanda, l'Ouganda et la RDC pour retrouver Kimia dans la partie est de la République. Tout le monde est concerné par le dossier judiciaire et les politiciens congolais. Est-ce que la justice au Mokonza Mboka Singa qui est là vraiment dans le monde comme le Seigneur l'était? Malgré son état de santé, malgré Nyonsa pour les Kamikolo, après plusieurs mois d'absence dans les médias, de la PC sous opportunité à Koyambaye Mbalay Bosso, exclusivité sur Congo Live Télévision, nulle part ailleurs, toujours Koyambaye Mbalay Bosso. Après plusieurs mois d'absence, il s'agit bien de Fils Moukoko. Fils Moukoko, il est président d'une structure, il s'agit bien de l'armée de baptiseur Tshisekedi, c'est Oya Kamara, la Katia. Il y a IDPS, gardien du temple de la démocratie. Oui, madame de confession. Oui, merci beaucoup, Jonathan. J'ai le plaisir à Koyamba chaîne. Congo Live. Plus de 100 000 abonnés pour la nouvelle. Oui, Congo Live Télévision de longue date. Où va Pessangaï, va micro, avant moi à tout moment. Depuis l'opposition jusqu'au pouvoir, vous êtes disponible. Nazane et Sengo Yamba Bino, Nao Babengi, Temple de la Vérité, siège ABT, armée des bâtisseurs qui s'égalisent. Donc c'est vraiment un plaisir. Avant d'aborder ma question d'actualité haute de BAMA, parce que tu es fils Moukoko, c'est quelqu'un qui souffre sur la lettre en ce qui concerne la santé. Oui, état de santé nangai par rapport à l'accident, on a salaki, fracture, on a salaki accident, on a boukanaki, ma jambe gauche. Donc, ils ont évolué bien, Je commence déjà à piétiner petit à petit, na komoni ata mouke mouke. Avec la grâce de Dieu, à bientôt, il y aura au babeni une grande messe d'action de grâce au Norsala. Pour remercier l'éternel Dieu à permettre de qu'il n'a pas handicapé quoi. Ouais, effectivement, je peux tout simplement dire, mais je suis encore avec le Béki, donc c'est ça. Donc on a l'instruction, il y a un médecin, c'est pour cela que je suis un peu beaucoup plus large pour la bien immédiat. Ok, donc fils Moukou, quoi, c'est un accident, mais malgré tout, santé, vous continuez à vous déranger. Vous avez eu soutien d'un niveau, il y a parti dans l'Union Européenne, il y a eu le soutien sur le plan financier, parce que tout le monde a été malgré malade, et dans l'ex-première dame, maman Olive, il y a eu un salaire, il y a eu un fils Moukou, tout le monde a eu sous son ville. Est-ce qu'il y a un niveau, il y a eu le qui soutient? Oui, l'UDPS a eu à me soutenir à travers Obabengi. À travers Obabengi, le secrétaire général au ministère Kabuya, mais c'était en retard, il y a qu'un peu tard. Okay. Et maman Olive a eu à me soutenir à 100% Obabengi pour na Obabengi ba soin n'angai. Tina Kubanda au piétiné, donc c'est ça. Elle m'a soutenu parce que la santé ou la vie n'est pas seulement les gens du pouvoir, n'est pas aussi seulement les gens de l'opposition. Okay. Donc la santé est sacrée. Donc elle a eu
à éviter à un fils du pays de devenir handicapé. Ok. Votre rencontre entre maman et Olivier, ça avec une des toi tu es de l'opposition, les fils sont beaucoup saints, c'est qu'ils disent des pires et pires. Maman Olivier, elle a dit, moi si à mon cousin Bokakala, en quelque sorte, on peut dire qu'elle est kabiliste. Et donc, yo, votre opposition, à l'époque, aujourd'hui, vous êtes à le pouvoir, vous rencontrez les avec une des à maman Olivier. Ouais, le problème qu'il y a, c'est quoi? J'avais publié le communiqué, il y a SOS qui est dans Osengalisungi, dans Boukani. Et Bimaki na Obabengi na réseaux sociaux. Et l'un des militants Obabenga kana PPRD gardien de la révolution Henri Magi à Monaki Amo et il a été intercédé et pas maman Olive le Kabila pour aider là. Le problème qu'il y a c'est quoi, les gens doivent dissocier maman Olive na Obabengi monsieur Kabila. Tout à fait. Monsieur Kabila, c'est un adversaire politique. Et maman Olive, c'est sa femme. Elle ne fait pas la politique. Elle est dans l'humanitaire et le social. L'humanitaire et le social n'ont pas de frontières. Donc, maman Olive aille à m'aider. C'est dans ce sens-là. Donc, c'est dans ce sens-là. Maman Olive aille à vous aider dans ce sens-là. Abordons des questions politique ou bien d'actualité politique, il y a la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on peut dire que Fils Mboko est en bonne santé. Gloire à Dieu, aujourd'hui, à Zoom Tsusu, la plateau Congo Live Télévision, pour nous remettre dans le concerné politique à Mboko. La situation sécuritaire de l'Ouest de la République, Bounanga l'a toujours sous contrôle M23, malgré mise en place, c'est la mise au sein de l'armée, le général Major Christian Tchoué, avec Luna numéro 1. Par rapport, si nous pouvons gagner quelque chose, avec ma nomination, d'abord ce sont des nationalistes. Ils ont la charge de monter pour arriver à la victoire. Donc ils ont la charge de monter, ils ont la charge de bisounion sur les Congolais. Bisounion sur les Congolais, nous devons travailler d'intelligence avec l'armée. Nous devons donner l'armée au Babéni Barancinéma. C'est-à-dire, je m'oppose déjà à ce que nous avons pour étouffer. Dénonciation à la population. Le peuple congolais n'est pas xénophobe. Donc, le peuple congolais n'est pas xénophobe. Mais le peuple congolais peut constater que Moutoyo. Ça ne va pas. Il ne va pas signaler à la police. Il travaille pas pour nous savons très bien que Rwanda est un pays où il y a un pays qui est victimisé trop. Mais le peuple congolais. Qu'il y a qu'à étouffer droit de dénoncer quelqu'un où il y a mon suspect là tant que garder le temple je vois comme si on veut endormir les peuples bagnibala et ses pongis. Le problème qu'il y a c'est quoi, je dois vous informer, dans Rwanda pas le président le monsieur Satan Paul Kagame a instauré système où il y a 10 maisons système il y a 10 maisons c'est à dire pour na surveiller le mouvement na kati la république la Rwanda. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 chefs moko. Après ça, rapport n'est pas un chef de localité ou bien chef du quartier. Donc, dans Rwanda, so, koti, na 10h juste. Il y a 10h 5 dans le niveau quartier. Bas informé. Bas informé. Au niveau de la sécurité, il y a un peu de temps dans le niveau Tanzanie. Tout Tarsimène, c'est un agent de renseignement. Donc, nous devons arriver, le peuple doit continuer à faire une vigilance citoyenne tout azimut. Parce que, Makambo est le Kanamini Toyo, et ça qui est, Bozomo là-bas, qui nous a minimisé. Kagame, c'est un planificateur. Il est allé aider au niveau de la Centrafrique. Le gouvernement centrafricain, les soldats, les Makambo, les troubles en Centrafrique. Non, il a droit à une coopération avec Centrafrique. Il est ici à Brazzaville, chez nos voisins les plus proches. À Zana, à Bézan, à Bertard, Kuna, Soripona, Makambouna, il y a des immigrés qui consomment. Bourouloba, la République de Papa Sassou a droit de coopérer avec le Rwanda. Mais en dessous de ça, il a une vision dans l'Empire tout silence. C'est à nous maintenant, avec Bato Banomé, Kotia n'a pas pointé au Kagame à Tché, n'a pas américain, n'a pas français, n'a pas base,
Otiaba base militaire pour na koyé ba ke muto na za radia na fo. Fils Mukoko, yo étant que leader d'opinion ou influence à opinion nationale tout comme internationale. Ou vous recommandez le général Christian Tshiobe ni pour que Kimiezo ma totale na partie est de la République. C'est ce que je suis en train de recommander. Okay. Je recommande d'abord au Babengi au chef suprême des armées. Je recommande, c'est à lui que je vais recommander, c'est lui qui nomme. OK. Pour que notre armée ait une efficacité, on doit augmenter le budget. On doit augmenter le budget de l'armée. Okay. Et on doit diminuer les trains de vie des institutions. Dans un monde en Europe, bizarre, quand on y va ensemble, on crée une commission spéciale pour conditionner. Parce qu'ils ont parlé de 21 000 dollars. Malgré qu'ils sont de l'opposition, c'est-à-dire. Quelqu'un de l'opposition peut aussi dire quelque chose sur les intérêts nationaux. Mettre une commission pour avoir des besoins sur 20 quelques mille dollars. Et la commission sera subventionnée à niveau il y a bureau ou après c'est bon financement pour nous faire ça. C'est du gabegie financière, la dépense de plus. Ok. On doit réduire au Bengi les trains des institutions. Mais Jean-Marc Kaboun l'a proposé en plein plénière, il n'y aura qu'un mot. Non, le problème qu'il y a, c'est quoi? Jean-Marc Kaboun, à ça, là, dans le sens, il y a démagogie, il y a populisme. Ok. Ce sont des choses au Bissou Naï de PES, depuis les pères, dans le projet des sociétés nationales, les peuples d'abord, tout le baraké, au gouvernement, même le président lui-même, dans le meeting, il y a Sainte-Thérèse. Dernier meeting à clôturer la campagne, à l'Oba, que nous aurons le pouvoir pour servir le peuple, okay. Non pas pour se servir. Donc, il va dire, avec tout le respect, Papa Mboso, président, ça, ce n'est pas vraiment au Bako l'Oba du peuple d'abord. Ah, le problème, c'est que on doit donner un budget dans l'armée. Et en plus, le chef suprême des armées doit arriver, il y a pour ça là-haut, Bengi, table rase, Kolomoula, Batuto, Bautana, brassage, c'est-à-dire Codeco, RCD, Batuto, Bautana, même MLC, dans le format, il y a rébellion. Batuto, Bautana, RCD, Roger Lumbala, Batuto, Bautana, brassage. Au Bazala qui va valer la Rwanda, c'est-à-dire pour nous avoir un minéré dans ce pays, ça va avoir un groupe armé. Tout va continuer. Il faut balon en armée. Parce que Moutou Azala Raboui, même a commis patron, a obéi au cas Mopao. Vous comprenez? Donc Moutou Azala Raboui, même un jour, a commis patron, sauf beaucoup de temps, a présenté au cas, voici mon patron. C'est-à-dire tous les généraux, tous les officiers supérieurs au Baouta na Mambouya Babou par armée après signature à Bakor Bakota na armée, il faut pas le voir. Là on sera un peu à moitié sûr que l'armée congolaise est purifiée. Le problème de l'Est, tu rappelles qu'il y a des Congolais d'origine au basé impliqués dans 4 années à la famille. Donc soit pour Bazaba na Misala ya Paul Kagame, on doit les mettre dehors de l'armée. Et les contrôler et les interdire Baon Kobimamboka. Abordons des questions politiques toujours concernées ma campagne union sacrée. On me concerne beaucoup. C'est là qui met là, toi y a union sacrée pour notre travail et l'intérêt à peuple, pour que le peuple congolais a se retrouver, comme disait le slogan de l'UDPS, le peuple d'abord. Le tout comme on a dit, union sacrée, bah, guéguer, bah, quelle est le OSNILI, pour le côté UDPS, Kabouya, pour le baquet, bah, tout ensemble. Ce qui est l'autre commune a fait un mandat contre un bocato pour partager le bilan entre le FCC et l'ensemble pour le changement. Au tout bout, il y a dit que ceux qui partent, il y a Moïse Katumbi, il y a une commune dans l'institution, il y a un mais tout à chacun qui est pour partager le bilan. Il y a beaucoup moins de gens qui ont fragilisé le vice-chef de l'État et qui ont été en chef de l'État pour ça. Et quoi? Et quoi? Et quoi? Et quoi? Avancer quoi? Déclaration politique à quoi? Voilà tout les gens qui ont bien la médiocrité ou les gens dans la classe politique congolaise. Vous voyez, Bissot, tous les gens qui donc. C'est déjà des mains. C'est déjà des mains. Ils ont médiocrité. Les gens n'arrivent pas à respecter les accords. Okay. Vous comprenez? Il y a de la jalousie. Natif au bateau béni banémi la peau. Parce que sur le plan positionnement, toujours il va se faire. Il a des mandataires. Laissez-moi décortiquer. Vous savez, à un certain moment, les gens ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire. Okay. On ne doit pas continuer à faire au Babengi
politique qui a choqué sur nous. Ok. On doit être clair dans l'engagement aujourd'hui, on doit faire les réelles politiques. Ok. Et comme il y a un peu, bah, bah, en opinion, on a pas une bonne marche, il y a pouvoir. Moi, des fois, je m'oppose à ce qui se fait. Mm-hmm. Il y a eu le gouvernement Saman jeté dans un point de presse, Natchagango sous réserve, pendant 100 jours. Okay. C'était mon opinion. Mais l'opinion, il y a mes frères, on a mis sur ensemble pour la République. Et l'ongwe opinion est comme vraiment une opposition dans le pouvoir. Comme il est comme une opposition dans le pouvoir, personnellement, j'ai beaucoup de respect à président Moïse Katumbi. Peut-être, j'ai beaucoup de respect à président Moïse Katumbi, mais je trouve la porte-parole à Olivier Kamita pour ce qu'elle y a communication, il y a rébellion. Ok. Vous en comprenez? La communication rébellion, c'est un peu d'expliquer, expliciter. Olivier Kamita croit comme si le parti, frère, il y a président Moïse Katumbi, ils ont comme si MLC, il y a rébellion. L'ex-MLC, c'est un mouvement militaire. Ok, il est le grand mouvement politique. Bah, discours, il y a arrogance. Au monsieur Olivier Kamita, n'a même pas. Je suis en train de m'adresser au président Moïse Katumbi avec tous les respects. Monsieur Olivier Kamita, tu n'as même pas ou à baigner courtoisie vis-à-vis à président de la République ou à une personne, une institution et une personne sacrée. La façon dont il y a le président de la République, si un jour Dieu, c'est Dieu qui donne le pouvoir à celle que Moïse Katumbi a comme président de la République, bisous tout bandit qu'au tenir à propos wana tout en état dans la mouvance katumbiste. Est-ce que Bango Bakolinango? Bakolinango t'es. Il est trop impoli. Trop impoli. Il est trop impoli vis-à-vis d'une institution sacrée. Mm-hmm. Et je suis en train de dire, tout ça est la Bible. Au lieu de qu'il n'y ait pas de polémique, si on a tout mis balé, on a tout mis balé, on a tout mis balé, on a tout mis balé. Ok. Mais so, il a, Moïse Katumbi, il a demandé à ses délégués, à ses institutions, à démissionner pour que. Parce que la vraiment opposition, le secrétaire général de l'INEPES a demandé s'il s'agit de parti, il faut partir au lieu de faire l'opposition au sein du pouvoir. Parce que là, ça ne se comprend pas au niveau, vous avez un cadre de pouvoir, mais beaucoup tout fait, vous avez un avancer. Moi, je parle de mon point de vue. Tu es venu chez Fils Mugo. Ce que Kabouya a dit, c'est son point de vue. Okay. Moi, je parle de la Bible. C'est-à-dire deux personnes. Oyo, ce qui va. Bayo qualité. Bayo qualité. Ici, il n'y a pas qu'à par rapport à la zone où on a dans l'aide à Olobi, il y a Maman Olive. Oui, aide à Maman Olive, c'est tout à fait humanitaire. N'a pas fait la kipe, petite sœur Nanga. J'avais publié encore une fois de plus communiqué. Et. Il y a eu réaction, il y a quelques excellences où on a pas tant à Congo là va monter parce que comment ce qui excellence mon roi a aidé bâti qu'on menace et pas bah des tracteurs normal. Ok. Vous en comprenez pourquoi vous avez aidé Bakawana même bah combattant Jacobia bah vous connaître en gros, bah combattant Gustave bah vous connaître en gros, on les a verrouillés même pas bah excellence. Le problème est ça, maman il m'avait encore assisté. Elle m'avait encore assisté. Nous avons remercié encore pour l'assistance. Nous avons aussi la Bible. Nous avons été malade, nous avons été en prison. Nous avons été en prison, nous avons été en prison. Nous avons été en matanga, nous avons été en prison. C'est Jésus qui dans le bas. À stipuler mon normal maladie. Donc, je remercie encore maman. Donc, on parlait de ce que autres zones baya. Avant qu'on puisse retourner mon point, tu me connais bon. Relation dans le cadre des pèses années. Relation dans le cadre des pèses, Isa. Parce qu'on sent en quelque sorte fils Mugo il est écarté au niveau du pouvoir. Isa y a où avec qui étouffement. Étouffement, les aïe étouffement, les aïe ingratitude. Ok.
Et ça, il y a une gratitude. Ils m'ont payé dans le monde des singes. Mais je continue à être tshisekédiste. Je soutiens toujours la vision du chef de l'État qui est le peuple d'abord. Et ça, il y a une gratitude. Malgré le combat, Baloba, que la révolution a souvent mangé ses fils. Okay. Et ça, on a subi. Mais je continue les combats. Aujourd'hui, je reste un constant tshisekédiste. Peu importe, aide humanitaire, pour ça, l'autre côté, tu as PPRD. Parce que lorsqu'on parle de Maman Libre aujourd'hui, Maman Libre, ce n'est pas le PPRD, c'est Initiative Police. Okay. Donc, le problème qu'il y a, c'est quoi? Les gens ont perdu quelque chose. Okay. Tu vois, comme Hérode avait vu qu'il y aura naissance d'un enfant qui sera le roi. Bah, cadre il dépasse, mon IP, net Hérode, qu'il y aura un autre président combattant après Fatih, c'est fils Moko. Ok. J'ai tassé Félix Tshisekedi dit, nous allons conduire Naïe au Babengi confiance dans le Congrès. Il y a eu des baisses. Mais après Félix Tshisekedi, fils Moko va postuler comme président national, il y a eu des baisses. Ok. Pour nous valoriser les fédéraux, les sectionnaires nationaux, les représentants de l'ISO. Le fils Mkoko, il fait une annonce aux président, candidat président national de l'IDPS. Dans l'IDPS, après Félix, les représentants de l'ISO, c'est privé qui a payé sa ration dans la famille, pour soutenir l'ISO dans le combat, puis dans le combat diplomatique. Donc, j'ai tout un programme, je vais présenter. Dans le congrès, il y a eu des pèses après Félix Tshisekedi. On a bien un mot Congo et Eldorado. Et je suis trop sûr que les combattants ne vont pas voter l'apparence, ils vont voter les idées. Les combattants vont voter des idées. Revenons à notre thématique, nous sommes dans le concernant la guerre au sein de l'Union sacrée. Est-ce que le chef de l'État, tant que lui, le garant de bonne marche à l'institution de la République, il ne peut pas faire quelque chose? Tant qu'il y a une montagne, c'est qui est l'Union sacrée. Maintenant, est-ce que tu vas faire des autres dans cette Union sacrée? Reconnu mon abamoté pour que Makambo et ça, ça deviendra de la dictature. Nous sommes des social-démocrates. Bissou n'a une espèce de social-démocrate. Bissou n'est pas la Bissou, vous mettez à la exclusion. Il y a la auto-exclusion. Ok. C'est-à-dire, nous sommes en train de constater déjà qu'ensemble pour la République, bah, on s'en va bien auto-exclusion dans l'Union sacrée. Vous comprenez? Bah, ça, l'auto-exclusion. C'est pour cela que vraiment tout droit, le président de la République doit remanier le gouvernement. Ok. Et comme une nécessité. Doit remanier le gouvernement pour Atikalana, bah, on va venir le mieux comme Nicolas Kazali, le mieux comme Aimé Bondi. Les miens comme le Guy Luando. Atika Naba, les miens comme Okombo Antoine Samba. Atika Naba, les miens comme Baliaou. Atika Naba, les miens comme Emba Zahiba. Atika Naba, les miens. Qui me recouvre le changement où il s'est mis dans l'armée congolaise? Donc, par rapport à Bounaganda, ça fait maintenant 120 jours. Ok. Tout ça occupé et pas bah ouais ben les forces négatives il y a M23 au parrain à Bango le Bimi à l'œil nu qui est là la République du Rwanda, une république que moi j'appelle République Satan. Le problème qu'il y a c'est quoi? Nous finirons par récupérer une partie de notre terre au Rwanda à zo jalouser pour finir par récupérer en haut. Mais pour te récupérer en haut, donc ici je parle comme gardien du temple tout de à la fait. Démocratie, tu sais qu'il y a le Nouveau Testament. Tu sais qu'il y a le Nouveau Testament. Nous devons, Bissou, en politique, changer au Babengi, attitude de Bissou. Okay. Nous devons adopter l'attitude du président Yahoo Babengi, l'Ukraine. Okay. C'est-à-dire, dans un exemple, vous voyez, depuis que la Russie a attaqué l'Ukraine, président à l'attaque pour le moment. Vous comprenez? Ouais.
aspect où l'homme vit dans trois expressions, expression orale, physique et corporelle. Donc, l'homme vit dans l'expression. Ça démontre qu'il est affecté. Mais dans la classe politique congolaise, toujours constaté, on est dans des guerres. On est inutile. La guerre inutile, des polémiques inutiles sur, par exemple, les élections. Je ne sais pas, celui qui pense un jour, qui veut un jour remplacer Félix Tshisekedi, à Kolinga, aya a hérité Mboka Mogobo, il parti dans Mboekei. Au lieu que les hommes politiques appellent sa priorité dans le débat, comment nous pouvons nous souder pour tout se débarrasser des ennemis habitués à Rwanda. Les hommes politiques sont dans des querelles, les élections, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que sans l'intégrité territoire, les hommes à côté au Kwamutu, sans l'intégrité territoire à Congo, je ne vois pas comment Oyobalobi Toko Kende na belle élection moro paisible. Vous comprenez? Les hommes politiques basant à Bengi, la chaise président de la République, au lieu de voir les vies Yabaoba Bengi, les enfants des grands qui vous au bazar torturés pendant beaucoup de décennies, et pas au Bengi, le monsieur Satan Paul Kagame. Le monsieur Satan Paul Kagame, c'est ce que tu te poses toujours toute la question pour Eba. Oyo, changement au sein de l'armée, et que vous avez dit qu'il y a un parti. Et c'est parce qu'on a dit que l'armée congolaise était tellement infiltrée, il a fallu qu'on puisse changer. Et le président de la République a dit que ça l'a dit de manière précipitamment. A Zéli, il a 8 ans, il a fait une analyse, il a dit que récemment, le général Fulmeyan, il paraîtrait qu'il y a eu des soupçons, parce qu'on prépare le coup d'État par rapport au président de la République. Est-ce que changement, Oyo, tu peux espérer quelque chose, tu peux récupérer pour Nagana? Parce que ça va faire déjà quelques jours, Oyo. Le général Christian Tshiwe, remise et reprise au salaire il y a jeudi. On peut espérer quelque chose au niveau est de la République. Oui, nous pouvons toujours espérer quelque chose parce que Fatih fait tout simplement ce que les pères avaient dit. Moi, vous savez, référence dans la politique à Congo et dans la Tshisekedi les pères. C'est-à-dire, Tshisekedi les pères avaient dit il faut laisser le temps au temps. C'est-à-dire, Fatih a fait Oyasali a renommé Bajenéo na tête armée. Je félicite nominé général Christian Chico. C'est à Centrafrique, c'est avec la Russie, Soudan, c'est avec la Russie. Mali, c'est avec la Russie. Angola, c'est avec la Russie. Pourquoi nous devons continuer avec des gens? Au bazo se permettre même dans ma voie climat, dans ma voie, ceux qui Jacob, ceux qui préparation, venir nous dire que nous avons exploité le gaz et le pétrole. Au moment de Tanzanie, il y a 6 et 5 ans, a passé par l'exploitation, au Gabon, l'exploitation de la forêt. Ces gens-là viennent nous dire ça. Le gouvernement congolais, quand il est en train de recevoir ces gens-là, il faut leur dire trop t'es cabanzete, si vous ne nous aidez pas, mon question est ici, si vous ne vous nous aidez pas à terminer cette guerre-là. Ton boy va 12 milliards d'abinois. Le gouvernement doit refuser ça. Peut menacer Bango que tu cabanzete, tu rotes Kayango. Si vous ne nous aidez pas à faire. Donc, en quelque sorte, le Congolais doit se prendre en charge par les occidentaux et surtout bateaux. Donc, on doit se prendre en charge. On doit se prendre en charge, coopérer avec quelqu'un dont le Conseil de sécurité a voté qui pour enlever l'embargo. C'est la France qui a rédigé d'abord lettre qui va maintenir Bissot. L'embargo. Ok. Il y a la Russie qui a soutenu pour enlever l'embargo. Il y a eu à Bengi, Chine. Je crois bien Ghana et Gabon. Il y a trop de distractions dans ces pays. Donc, je ne sais pas, les gens perdent un jour de mourir comme vous êtes. Pour ce que c'est notre sol là. Les gens perdent. Ils ont tué Lumumba, ils ont tué Mouzé.
Ils ont tué Mobutu. Ils ont tué Musée. Aujourd'hui, si tu fais, tu serais. Parce que Baza déjà n'a plein voilà. Il croit que demain, il n'y aura pas d'autres qui sortiront encore plus fort que Félix Tshisekedi. Le problème qu'il y a, c'est quoi? Par rapport au Naplawana, on va aller se mettre avec ces gens pour causer quoi? L'Angola n'a pas payé. Pour causer quoi? Balkaniser le Congo? Le président Vital Kamerhe doit encore revoir sa décision, bien sa, la proposition qu'il a fait. À revoir stratégie. Il a dit que c'est un grand stratège, mais à revoir stratégie. Le gardien Vital, nous arrivons presque à la fin de notre émission, mais avant tout ça, il faut de bêtes à sur le concernant l'appareil judiciaire. L'appareil judiciaire, mon concernant, beaucoup à bêtes, mais là, dans le justice à Congo, ça doit avoir. Il faut estibir, remaniement. Faut qu'on change bah, parce que Yann ça ne va pas. Bah, il politique, bah, qu'on tabolo, bah, qu'on bima. Malgré ma vie, bah, qu'on s'en a la population. Donc, au moins, on a retourné mon allongaté dans l'appareil judiciaire. Yo, qu'on va n'y s'y aller. Le problème, je suis en train de pleurer Tshisekedi le père. Oh, mais il y a Tshisekedi. Je suis en train de pleurer Tshisekedi le père. Tshisekedi fils à quoi? Le problème qu'il y a, c'est quoi? Bateau tout, bazo mona. Qui bango baza ba on fort le bout qui pompe sans soi bimbo quoi peuple au côté banini nomi bati au liberté provisoire ok poto ok pe poto ok banano donc bango de le ba kota na ba kasho ba koti na prison bango de ba me ma malade na bango wa libanda na prison bisonde parce que moi je suis le défenseur leader ya ba ibazanga ba de. Oh. Nana bima sans identité, y a papa tel ou tel. Père n'a pas la politique. Nani na bima fils mukoko, famille na bise zwa lelo, banana mukoko, batutu ba mukoko. Vous comprenez? Nani na créé identité, na pela sa mumbona. Le problème qu'il y a c'est quoi dans Zoloba? Bah les retours au bazo salaka, au yibi au kocho bimi. Bah, il y a une infraction pour la rater. Infraction pour la rater. Infraction pour la rater. Un jour, fils Mouko sera au pouvoir. N'a qu'on déterrer Bilokouana. Ils vont subir le retomber et à pouvoir fils Mouko. N'a qu'on salo va venir véritable marche en arrière dans le dossier puis il va détourner. Ce sont des. Bah, soignant mon abangoya. Oui, bah, ben n'a qu'on détourner, mais que ce sont des voleurs. Ba kol sa basi na bango, ba sobe la bango ba kabelo na ba bijou na ki mouyi bi ya mbongo apetri. Ba tangi sa bana na bango na ba vang na ba ki mouyi bi ya mbongo apetri. Ba papa nou ba miyi bi. Ba mama mi ba nan nou ba miyi bi ya mbongo apetri. Na ko deterre ba dosye yo anan. Il y aura un tribunal de récupération de bien de l'État. De bien de l'État. Tribunal de Kozala. Je deviendrai président non à la volonté d'Abino, c'est avec volonté. Il y a Nzambe Nicolo, comme ça va, à l'Ogotana, ça tombe le Nicolo. Ce sont des gens qui méritent au Babéni, Kanyama Kassisi. Bon, on peut faire ça là-bas, on peut cacher mon robe. Té! Moutoumsoa Ibaki Tchombo, il y a beaucoup d'infractions, de crimes économiques, il faut pas ça là, place mon abba Kuluna. Bakuluna sko ba yebi sabango ke tokoma bakuluna po bo pimela biso metier bo pimela biso formation beti par exemple le dossier vidichina wala ni moko ya liye mokonza mboka okomona te batabo mo ba kosala ki mokonza mboka. Le problème qu'il y a c'est quoi? Je suis en train, il y a des détournements, il y a des trafics d'influence même na cannabis ou des pèses de jeunes gens et de messieurs. Oh, moi je suis avec le président. Voici, on est tout le moment avec le président. Donne-moi ton dossier, tu deviendras ceci. La justice va vous rattraper. La justice va vous rattraper, fils Mokoko. Comme presque un assouk et Michel Busso. Bah, il va pour la Nord, plus de 100 000 abonnés va pour la Nord. Et surtout,
malgré l'état de santé, depuis les 40 minutes, il faut échanger à travers Congo Live Télévision. D'abord, je suis en train de dire aux gens que je vis dans l'Ataka, je vis par Batou, il y a bonne volonté. Pendant 6 à 5 ans, je n'ai jamais travaillé. Dans l'Ataka pour la diaspora, dans les merci. Puis je suis en train de dire à Batou Nyonso que fils Moukoko, Aza militant à Moutouté. Aza des militants, y a Tshisekedi les pères pour le peuple d'abord. Dans ce qui est dit, l'Union Sauvage, l'armée de bâtisseurs Tshisekedi, c'est un mouvement de soutien au président de la République sans fanatisme. Bisotoa va te dire les notes. Tout fongoli va porter na biso pour na ba Congolais au bazar dans les Congo profond na ba province na Kinshasa. Na diaspora plus 243 85 084 65 55 WhatsApp plus 243 39 99 46 50 11 plus 243 99 46 50 11 WhatsApp Bozoangamo, gardien du temple de la démocratie, les rêves du Sphinx, tous espérer. Mais je suis en train de profiter aussi de cette occasion pour dire au président de la République que j'aime beaucoup. Projet à 145 territoires, Mathieu Lamo déjà fait tribunal, et ça l'a déjà. Tout le monde a un autre site, donc, un projet à 145 territoires, monsieur le président de la République, Fati, Tchelango déjà tribunal. Mouto a eu bata CT à Otongekol. Ou a eu bata microscope à l'hôpital. Ou a eu bata barre de fer. Batanga, et basta Missina TV. Bakangaye Basami Sena TV, là ce sont les derniers mots de fils Moukoko. Il nous a accepté de nous rester. Parce que si nous ratons cette histoire, il y a 145 territoires. C'est fini. Ça nous demandera beaucoup de gymnastique dans 2023, la propagande. La République démocratique du Congo a besoin de gens déterminés, surtout déterminés pour que les choses changent au sein de cette République. Peu importe nos divergences, on est congolais. Qu'on se le dise. Au revoir.